Coucou, comment tu vas Nathan? Bah ça va super. Alors, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce, on ne sait pas encore ce que c'est, mais vous l'avez vu dans le titre je pense de la vidéo. Nous sommes en vacances où Nathan? À Punta Cana. Voilà, donc il nous arrivait des problèmes avec notre ancien hôtel. Oui. C'est pour ça que vous arrivez, enfin la vidéo vous l'avez un peu tard, parce qu'on a changé d'hôtel et on a maintenant eu un hôtel 5 étoiles avec magnifique. Une magnifique suite qu'on va vous présenter. Maintenant, déjà t'es rentré comment déjà? Avec quoi comme clé? Un bracelet. Voilà, c'est un petit bracelet comme ça. J'en ai un aussi. Ah bon. Et on peut même fermer. Voilà, on peut même fermer la porte comme ça. Donc si vous demandez dans quel hôtel on est dans le Caribe Deluxe Princesse. Ou Princesse Deluxe, je sais pas comment on dit. Donc c'est un super hôtel, enfin vous verrez c'est énorme. Alors, on commence par quoi à l'entrée? Ici, donc sur ma gauche. Voilà. Il y a un grand dressing avec tous mes t-shirts et une veste. Il y a mis, on a un côté chacun en fait. Au milieu, il y a mon côté à moi avec mes chaussures, mes shorts, bah tous les trucs. Et là, c'est François. Ouais, voilà, en haut ici. Et des petits tiroirs, mais rien dedans. Et là, on me voit. Ensuite, c'est mon côté. Le côté de François avec tous ses t-shirts et deux valises. Et on a mis les valises comme ça ici, et le sac de plage en dessous. Ouais, donc ça, c'est le mini dressing, franchement, qui est très sympa. Oui. Et ça nous change vraiment de notre ancien hôtel qui était vraiment insalubre. Et je vous ferai une vidéo en rentrant en France pour vous expliquer un peu tout en détail. Alors, ensuite, on a quoi? La salle de bain. Magnifique salle de bain, donc, à droite. Ici, il y a deux lavabos, donc le mien et celui de François. On en a un chacun. Avec tous les. Franchement, on adore. On a mis plein de masques. Masques. On en a acheté plein avant de venir. Oui. Il y a deux portes. Voilà, une là et une là. On va commencer par laquelle, François? Par celle-là? Ouais. Allez. Donc il y a les toilettes. Quand on allume, ça fait un petit bruit. Enfin, ça allume la clim en fait, je crois. Donc les toilettes, très sympa. Bon, c'est les toilettes normales en fait. Hein. Et ici? Et ici, on a la douche. La douche, on va dire un peu à l'italienne avec le jet au plafond. Très très bien. Voilà, donc là on avait plein de choses, on a même des serviettes blanches en dessous qu'on a déjà commencé à utiliser. Oui, mais et sympa. Là dedans, il y a un sèche-cheveux. Voilà, il y a un sèche-cheveux qui nous servira. Et un miroir ici qui s'allume aussi. Ça c'est pour ceux qui se maquillent ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Mais... Essaye de l'allumer pour voir. Voilà. Hop, pour des photos Insta, ça pourrait faire beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on vous le met juste ici. C'est françois.e.nathan en fait, comme tous les réseaux. Voilà, voilà. Et maintenant on passe à la suite. Mais c'est une suite, ça s'appelle une suite. Franchement, donc on va commencer par ici. Donc il y a les deux lits. Voilà, donc là c'est le mien. Et là c'est le mien. Celui de Nathan. Avec. Alors, on tient à préciser, on s'est installé comme si c'était chez nous. Hein. On a vidé toutes nos valises, vous verrez, on a tout rempli partout. Alors, donc, on a mis. La table de nuit avec les chargeurs. Ouais, plein de trucs. Le portefeuille. Ici, je montre juste. C'est le plan de l'hôtel. Le plan de l'hôtel, on va le poser ici. Ouvre-le, Nathan. Là, c'est tout le plan de l'hôtel, on va dire. La réception, elle est là. Et nous, en fait, on est juste ici. Dans la zone ici. On a les piscines, la plage. Enfin, ça, je vous montrerai. On fera sûrement un vlog. On vous montrera un peu tout. Oui. Comment que c'est. Mais c'est énorme. On voyage en navette ici. Hein, faut se le dire. Donc voilà, on peut même appeler, ça a précisé, le room service, je pense, pour manger et tout. J'ai envie de le faire. Mais ce cas, c'est qu'on a, on parle français, on ne parle pas anglais ni espagnol. Ouais, c'est pas, on verra bien. Donc là, c'est le coin lit. Oui, ensuite, pas ouais, bon, c'est moi qui ai refait le lit. Ouais. Ensuite, il y a un grand bureau. Énorme bureau. Quand je dis énorme, c'est énorme quoi. Ouais. J'ai jamais vu un énorme bureau comme ça. Là, on a tout rangé aussi. Les ordi, les ordi, avec mon appareil photo, ici il y a des tiroirs. Donc, ouais, on a rangé un peu tout le matériel. Les casques, les chargeurs, là, tout ce qui est coloriage. C'était pour l'avion, c'était plus pour l'avion parce qu'on s'ennuie un peu dans l'avion. Hein. Et ici, j'ai mis le papier important. Et le mouchoir, et je crois que l'autre côté... Et là on a des casquettes, regardez ma nouvelle casquette. Franchement, je la kiffe, Tommy. Et là, Nathan, il y avait la Nike. Voilà, nos sacoches, tout ça. Et voilà. Ensuite, on passe au salon. Au salon. Salon, lit. Chambre, ouais. En fait, ce qu'il y a. Game ici. Ouais, game. Parce qu'en fait, on est au salon avec une énorme télé ici. Et on joue à la suite. Voilà. Parce que, comme vous pouvez voir, on a ramené tout le matériel
pour la Switch. Au moins on peut jouer sur la télé et franchement la qualité, c'est mais trop c'est dingue quoi, c'est trop bien. Donc ça, en fait c'est un canapé de base qu'on peut transformer en lit et on l'a mis comme ça. Avec une grande couverture. Il y en a une deuxième au pire dans l'armoire. Parce que c'est vrai qu'avec la clim ici, il fait pas chaud. Il fait froid. Donc voilà. Ce qui est bien. Tac tac tac. Bon, c'est un truc. Les rideaux. Bon, tout le monde ferme les rideaux comme ceci. Sauf que là, maintenant, on prend un truc comme ça et on le tire. Mais comme c'est vraiment de la pécaille. Ah, tu peux le rouvrir du coup. Ouais. Parce que du coup, maintenant, on va aller montrer la vue qu'on a de notre chambre. Regardez-moi cette vue. Cette vue, on a vu sur la piscine et vu sur la plage qui est là-bas. En fait, vous sortez de la piscine, vous êtes déjà sur la plage. Exactement. C'est donc super. En fait, là on a le premier balcon et on en a un deuxième qui est juste là. Nathan va ouvrir le store pour que vous voyez mieux. Regardez. Et là, c'est les autres habitations. Et la piscine qui est là. Donc franchement, on a de la chance d'être ici. On a dû rajouter un supplément du coup parce qu'on était dans un autre hôtel. Mais on regrette pas du tout de venir ici. Parce qu'il y a au moins 6 restaurants je crois. Non, il y en a 7. 7 restaurants, ouais. 7 plus 1, c'est le buffet, donc 8 à peu près. Ouais, il y a beaucoup de restaurants. Il y a un bowling, il y a un mini golf, il y a plein de trucs. Et il y a deux théâtres, moi j'ai vu aussi. Il y a une boutique, on ira voir pour acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Et surtout, n'hésitez pas à rester sur YouTube parce qu'on va sûrement faire une dégustation de Burger King ici, je pense. Ouais, Burger King. Il faut déjà le trouver. Ouais. Parce que Burger King, il y en a un pas loin à Bavaro. Parce que nous, on a 10 minutes de route, je pense, pour aller là-bas. On prendra sûrement un taxi pour y aller. Mais voilà, on va essayer de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Franchement, nous, on kiffe cet hôtel. C'est trop, trop beau. Franchement. Et aussi, on va aussi faire peut-être une vidéo dehors, montrer ce qu'il y a. Ouais, je pense qu'il va y avoir un vlog où on va montrer un peu de tout ce qu'il y a dans le complexe. Parce que c'est tellement grand que, enfin voilà, on fera une vidéo peut-être de 15 minutes pour tout montrer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte TikTok et à notre compte Instagram. Oui. On vous dit à très bientôt. Allez, salut.